Le 2 avril 2011 est né l'un des chats les plus célèbres d'Internet. 10 ans plus tard, ce chat était vendu plus de 500 000 dollars par son auteur Christophe Torres. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Parallèlement à ça, en mars 2021, le tableau Scène de rue à Montmartre de Van Gogh a été vendu 14 millions de dollars. Contrairement au tableau de Van Gogh, vous ne pouvez pas tenir Nyan Cat. Vous ne pouvez pas l'accrocher dans votre salon. Autrement dit, Nyan Cat n'existe pas. On dit que c'est une œuvre numérique. Vous dites peut-être que le truc de Nyan Cat, c'est une mode passagère, que les gens ne savent plus quoi faire de leur argent, encore un truc de milliardaire, et que surtout, personne ne serait assez con pour dépenser des millions pour quelque chose qu'on ne peut même pas afficher dans son salon. Oh. Et oui, l'artiste Mike Winkelmann, alias Bipley, fait partie maintenant des artistes les plus chers encore vivants. Alors, pure folie ou révolution de l'art ? Pour que le tableau de Van Gogh soit vendu des millions, il a d'abord fallu savoir si c'était un vrai Van Gogh. Pour vérifier ça, on fait passer un expert qui rédige un certificat d'authenticité. Dans le cas de Bipley ou Torres, on passe par ce qu'on appelle des NFT, en français, des jetons non fongibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les échanger ni les remplacer. À l'époque où n'importe quel fichier numérique peut être partagé ou remplacé, la personne qui possède Nyan Cat ou un Bipley possède le fichier original, avec la preuve sur ce qu'on appelle la blockchain, à savoir un registre numérique. Autrement dit, si vous possédez un NFT d'une œuvre numérique, c'est comme si vous possédiez un Van Gogh avec un certificat d'authenticité. Mais vous allez me dire, oui, bah Van Gogh, tu peux l'accrocher chez toi. Et c'est vrai. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de payer plusieurs millions de dollars. Vous pouvez très bien acheter une copie d'un Van Gogh à moins de 100 euros sur Internet et l'accrocher dans votre salon. Pareil avec un NFT. Si je fais une capture d'écran de l'œuvre du Bipley, je n'ai même pas à payer. Mais comme je l'ai dit, vous aurez des copies. Pas les originaux. Autrement dit, il n'y a pas une différence de nature entre un Van Gogh et un Bipley. Ce sont toutes les deux des œuvres. Mais une différence de degré. L'une est numérique, l'autre pas. Mais alors, pourquoi on ne peut pas s'empêcher de trouver ça un peu bizarre de payer plusieurs millions pour une œuvre numérique ? Remontons le temps d'environ 100 ans. Nous sommes au début du 20e siècle. En Allemagne, le philosophe et critique d'art Walter Benjamin publie l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. À cette époque, c'est le début de la photographie et du cinéma. Si aujourd'hui ça nous paraît complètement banal de voir circuler des photos et d'aller au cinéma, hors période de Covid, il faut savoir qu'à cette époque, ça a complètement chamboulé notre rapport à l'art. Il faut bien comprendre que durant des siècles, si on voulait voir une œuvre d'art, il fallait se rendre là où elle était. Par exemple, si vous vouliez voir les plafonds de la chapelle Sixtine, il fallait vous rendre à la chapelle Sixtine. Vous ne pouviez pas demander à Google. Benjamin parle à ce titre de l'aura de l'œuvre, son authenticité, son ici et maintenant, ou en latin, son hic et nunc. Pas facile à dire. C'était un rapport de recueillement devant une œuvre, car on savait qu'on ne la reverrait pas de sitôt. Admettons que vous ayez la chance d'aller en Islande et d'assister à une aurore boréale. Ce que vous vivez, vous ne le vivez pas avant, vous ne le vivrez pas après, et surtout, plus jamais. C'est pareil avec les œuvres d'art avant les avancées techniques. Vous ne pouviez pas être tranquillement dans la salle en train d'écouter un opéra de Wagner, le filmer avec votre téléphone et revoir ce moment. Avec l'avancée technique, surtout depuis Internet, l'œuvre d'art est reproductible quasiment à l'infini. Mais surtout, elle est conçue pour être reproductible et toucher le plus grand nombre. C'est pourquoi le constat de Benjamin est mitigé. Il ne critique pas la reproductibilité en soi, mais insiste sur la perte de l'aura de l'œuvre. Et si c'était là que les NFT avaient leur rôle à jouer ? Ce qui s'est passé avec Benjamin et les nouvelles techniques d'art, c'est ce qui s'est passé avec nous et Internet. Quand les mails ont débarqué, ça faisait bizarre de se dire qu'on n'envoyait pas de courrier papier. Quand les messageries instantanées sont arrivées, on disait que ça ne remplacerait jamais le vrai dialogue. Quand les sites de rencontres ont vu le jour, c'était un peu la honte de dire qu'on s'était rencontré sur Internet. Ces nouveaux modes de communication enlevaient l'aura du papier, du dialogue et de la rencontre physique. Puis avec le temps, envoyer un mail ou discuter sur Messenger et WhatsApp nous paraît normal, et dire « on s'est rencontré sur Internet » est beaucoup moins tabou. Au contraire, par les temps qui courent, ces techniques permettent de garder un semblant de lien social. Certes, ça ne remplacera jamais les échanges en terrasse, un verre à la main, mais ça ne rend pas pour autant le dialogue et les rencontres sur Internet fausses. Les œuvres numériques ne sont pas de fausses œuvres, pas plus que les premiers films et les premières photos à l'époque de Benjamin. C'est juste une nouvelle façon de faire quelque chose qui existait déjà. Car au fond, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'art n'est pas mort, l'art se transforme et nous en sommes les témoins. Il nous reste à en être dignes.
Si vous aimez ce type de contenu, vous allez adorer recevoir mes articles par mail. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, mais surtout, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Aussi, je sors des vidéos assez aléatoirement, donc abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant. Et si vous voulez discuter, découvrir du contenu exclusif et mon quotidien, ça se passe directement sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. Bon futur !